banalisation de l'antisémitisme dans une discussion politique qui n'a rien à voir avec la question des religions. Je dénonce ceux qui essayent d'utiliser ce moyen comme une diversion honteuse et infâme pour fuir leurs responsabilités. Vous avez trahi le peuple cypriote, vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Et la France, son identité est républicaine, quel que soit le parti politique auquel on appartient. Quand on est un Français, on défend d'abord la démocratie et d'abord les votes des parlements avant des injonctions des financiers. Ah, vraiment, il règne dans ce pays une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Oh.